Yon l'autre fois, gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Gouvernement de facto pays d'Haïti a mandé autorité pays Jamaïque voye bali ancien sénateur John Joel Joseph qui est non cité commune nan complice nan assassinat il y a 7 juillet 2021 sous ancien président de facto Jovenel Moïse. D'après un article journal américain Miami Herald, c'est ministère des Affaires étrangères pays d'Haïti qui fait demande ça pour permettre suspect là venir répondre question la justice haïtienne. Bureau dernier tiers Sénat invité Premier ministre de facto Dr. Ariel Henry vient expliquer jeudi 17 mars 2022 pour qui raison Chita Palela à cas représentant à Comontana a échoué lundi 14 février 2022 passé. Bureau Sénat a invité Ariel Henry après il était fin boudé une première invitation et puis Sénat a multiplié série rencontres yo entre divers acteurs dans la vie nationale dans l'idée pour joindre un accord global en toute force vive nation. Inspection générale de la police nationale l'a fait qu'on est litamé à partir jeudi 16 mars 2022 à plusieurs vireront pour faire sensibilisation bon côté police nationale là sous interdiction pour yo pas mettre cagoule dans figure les a fait patrouille et puis sous condition pour ta servir avec la force avec nécessité pour respecter droit monde comme ça doit les a gérer foule monde pendant vireront ça inspection générale de la police là dit l'a sensibiliser policiers tout sous comportement yo doit adopter face à crise et puis danger dans milieu travail yo avec dans la vie y a mené chaque jour. Un groupe plus passé une centaine de migrants haïtiens joignent arrestation dans Sud Floride, pays États-Unis, après yon défini débarquer sur un petit bateau lundi 14 mars 2022 à tout près Key West. Sheriff Comté Monroe, Rick Ramsey, déclaré entre 100 à 150 haïtiens te débarqué sous côte yo dans Sud Floride là, dans un petit bateau. Environ 32 km dans Key West là. Actualité internationale à collaboratrice non Marie Farah Fortuné. Ensemble, Sénat a voté mardi pour abandonner définitivement les hivers, mais rendre pas été en permanent. Changer l'air, c'est un concept qui dépasse, c'est une source de frustration à confusion. C'est simplement stupide, par une autre façon pour dire ça. C'est ça, c'est dans tes Floride, la Marco Rubio, où tes projets loi fait qu'on est. L'idée principale des changements l'air à l'origine correspond à les activités où mettre le soleil plus levé pour limiter l'utilisation éclairage artificiel. Mais plusieurs dénoncent effets négatifs sur le rythme biologique. Les ou fait changement l'air, yo observé lundi après un gain plus crise cardiaque à accident sur route. Yo. Population capable tous sentir plus fatigué et puis pas sous sang. Son projet loi incertain parce que pour l'entrée en vigueur, Chamlan doit adopter et puis président Joe Biden doit promulguer lui-même qui gagne pouvoir pour mettre veto le président pour qu'on fait qu'on ait position sous dossier ça. L'autre information journaliste Armando Linares, directeur site information Monitor Michoacán, mourit assassiné mardi 15 mars dans Mexique d'après sa procureur local l'a annoncé. Et le président russe Vladimir Poutine a signé mercredi 16 mars opération militaire dans pays Ukraine c'est un succès côté le fait qu'on est Moscou pas quitter pays ça venir en tête pont pour action agressive contre la Russie. Opération a fait un succès en strict conformité la plan qui bien établi c'est ça Vladimir Poutine déclaré d'après parole télévision retransmettre côté le bain assignation l'autre fois les pas gain intention occuper pays Ukraine. Cour internationale justice nan Sij, puis au tribunal l'ONIAN bay l'autre mercredi 16 mars nan pour pays Russie camper bien vite opération militaire yo pays Ukraine. Fédération pays Russien doit camper bien vite opération militaire li commencer 24 février sous territoire ukrainien. C'est ça John Donog, juge président Sij nan, côté siège trouvé l'arrêt fait qu'on est. L'autre information, 193 membres Assemblée Générale Nations Unies ont adopté mardi 15 mars une résolution Turkménistan a proposé qui destinée pour favoriser développement bicyclette dans le monde pour capable bataille contre réchauffement climatique. En 20 mois septembre 2022, ministère éducation nationale prévoit pour remettre campé 46 l'école parmi toutes ça qui était si bien gros dommage dans gros tremblement de samedi 14 d'août 2021 dans département Sud Grand Saint-Nip. Réparation l'école ça doit permettre les faciliter timounyo retourner sous ban l'école dans pi bon condition et puis dans condition qui pi favorable pour apprentissage. Yon l'autre bord, yon vingtaine l'école pral reconstruit ak yon dizaine l'autre pral réhabiliter dans cadre projet promesse qui ta doué entrer d'emblée dans phase exécutif li pendant
l'année académique 2023-2024 lan. Pendant une rencontre qui était faite lundi 14 mars 2022 avec responsable projet pour une éducation qualité en Haïti, ministre éducation de facto Nismi Maniga a souligné nécessité pour aboutir à réhabilitation 46 l'école parmi 9 classes fondamentales avec 2 classes préscolaires avec 410 places yo chaque. Akademi Kriol Ayisyen Anka gen 10 nouvo mamb parmi yo 6 fam a pati l'ane 2022, sa ki fe Akademi Kriol Ayisyen genyen 46 mamb an tou. Dapre disposisyon atik 21 lwa kreasyon akademi an, lwa 7 avril 2014 lan, Akademi Kriol Ayisyen dwe fonksyone avek 33 akademisyen pou pipiti, 55 pou piplis. Pou kounya, Akademi Kriol Ayisyen gen 42 mamb avek 2 akademisyen la deyo ki gen tit akademisyen émérite Max Maniga ak Odette Wafonboin. C'est dans l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, dans date 28 janvier 2022, conseil académicien valide choix 10 nouveaux académiciens qui pour intégrer Académie Créole Haïtien. Mais les nouveaux académiciens sayo, c'est Al Dunel Dimanche, Altagrasse Payen Auguste, Chantal Hirsch Noël, Jean-Robert Placide, Lionel Demarat, Marie-Jeanne Léo Louis-Charles, Nora Amilka Jean-François, Régine Diouska Muraille, Sandra Duval ak Yvon Lamou. Toujours dans le chapitre éducation, mercredi 16 mars 2022, la police nationale simé gaz lacrymogène encore sous élève l'école collège Mix Jacoumeyo qui tape continuer manifester dans Port-au-Prince pour exiger bandi exam la gué directeur yo Ernst Lafleur yo kidnappé depuis vendredi soir 11 mars 2022. Élève yo qui tape manifester dans la ria qui tape demandé pour yo la gué directeur l'école yo a te voyé en pile parole piment bouc contre autorité dans l'état yo. An koute ambyans ki te genye nan manifestasyon elef sa yo. C'était ambiance qui était gagnée dans la manifestation dans Port-au-Prince. Plusieurs élèves qui t'ont demandé bandi exam yo lagué directeur l'école yo Ernst Lafleur yo kidnappé depuis vendredi soir 11 mars 2022. Association professionnelle l'école privée yo dit gen gwo kè kase sou jan kondisyon la vi population a dégradé net al koulé sitou an ba klima la tere gen exam yo ki gen konsekans tou sou aktivite l'école yo nan peyi d'Haïti. Nan note pou la presse yo mete deyò apèv fèv fè konnen li indigné devan silans ak indiférense otorite l'état yo. Fas ak sityasyon tèt chaje sa akoute se chak jou bandi a exam ap kidnapé epi touye sitwayen pezib. Nan not sa, asosyasyon amande goup ame yo pou yo depoze zam paske mouman rive pou genyen apèzman ak rekonsilyasyon epi pou tout goup organize nan peyyan meti tèt ansanm pou bay yon ripons apopriye ak fle ou sa. Mèkodi 16 mars 2022 a se 3èm ak denye jou l'opital ak klinik prive yo. Te sispan bay servis la sante pou proteste kont zak kidnapping espesyalman doktor infimye ak lota personel la sante yo ap sibi nan men gang aksam yo nan peyi d'Haïti. Greve san limite, employe l'hôpital publik yo, tankou l'hôpital general Port-au-Prince, tanmen, debi lundi 21 fevriye 2022, apre a poursuive, jiska skè otorite yo pren disposisyon satisfè ou revendikasyon yo. Marie-Louise Alda Bien-Aimé, ki se sekretè general syndikal l'hôpital general la, denonse otorite yo ki rete brakwaze fasak etat dezolan l'hôpital la touvel debi kek tan epi li mande pi bon kondisyon travay. An koute Marie-Louise Alda Bien-Aimé. Secrétaire général, syndicat l'hôpital général, qui a porté plus de détails pour nous. Grève là, il commençait exactement et lundi 21 février et jeudi à la qui c'est 16 mars fait grève là exactement 24 jours depuis nous l'avons frappé. Tout pays a été connu que grève là sont grève illimitée que lié. Revendication nous au niveau de syndicat, j'en ai dit, c'est bon gens, conditions de travail. Ensuite, nous demandons 60 000 gourdes comme salaire de base. Et ensuite, nous avons 4 de débit, nous avons 19 mois sous lit, côté que nous n'avons pas de jambes.
Et ça qui te bat le plus problème, c'est parce que son seul l'État, c'est son seul finance. Toute l'autre institution, l'État, yo, jouen carte de débit. Yo, et nous-mêmes, nous pas jouen carte de débit par nous, hein, qui est seulement 5 000 misérables gourdes sous lit. Yo gen 19 mois avec yo pa jamba nou. Et c'est ça revendication pa nou. Et ensuite pour malade nou yo, nous dit que malade nou yo, ça fait des années nou ay que yo pa ba manger. Oh, nous gen cafétéria ici à là qui fermé. Malade nou yo pa ka manger chaque deux jours. C'était secrétaire général syndical hôpital général là, Marie-Louise Alda Binimi. Toujours dans le même chapitre, insécurité a entre jeudi 17 pour arriver dimanche 20 mars 2022, association propriétaire ak chauffeur pays d'Haïti yo annoncé un mouvement grève transport public dans si de pays d'Haïti pour forcer l'état assurer sécurité chauffeur ak passagers sur route yo devant des gangs examio. Responsable APCH la fait connait grève là, c'est grain moyen pacifique yo gagné pour faire pression sur autorité yo. Donc yo a utilisé pour forcer yo mettre sécurité dans pays en particulier dans zone Matissan. Mercredi 16 mars 2022 nan tête collé à ambassade Japon dans pays d'Haïti, bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo organisé une cérémonie symbole pour remettre matériel qui adapté by police nationale qui dans situation handicap. D'après secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo, Jean Joseph, li fait connait matériel sa yo qui pral dans 6 bureaux régionaux. Bureau intégration mon handicapé yo détan li expliquer geste ça gain objectif renforcer autonomie et participation sociale mon qui a vive avec handicap yo. En côté secrétaire d'État mon handicapé yo Jean Joseph pour plus détail. Au nom du peuple haïtien en général, mais ce matin monsieur l'ambassadeur, je veux dire un merci spécial à Paris Monde au nom de cette première personne du pouvoir avec un handicap pour le matériel exceptionnel et la distribution symbolique qui s'en suivra. La population des personnes à mobilité réduite croît quotidiennement. Elle dépasse aujourd'hui plus de 1 million de personnes majoritairement dans les cibles. Le MECEF et les leaders de l'évolu de long combat de l'inclusion de ces personnes. Une inclusion qui passe par l'accessibilité, l'autonomisation et l'éducation. Autant dire que l'un des grands amis comme Taïwan, pour le secteur de l'affaire de droit, dépasser l'état de l'humanité. C'est pourquoi nous allons exprimer ma gratitude à la Chine et à l'ambassadeur qui réalise ici un travail de titan. Le secteur des personnes vivant avec un handicap revendique de son grandissime année. Et l'aide dépasse le cadre de l'humanitaire et de la cestane. Ici, au dessin, sur les opérations, les cadres sont légers. C'était secrétaire d'État mon handicapé, Jean Joseph. Dans le chapitre éducation, c'est seulement plus passé 40% candidats qui passent dans l'examen philo avec NS4 yo, qui était fait finissement février 2022 sur le territoire national. Là, d'après résultat, ministère éducation nationale rend public lundi 14 mars 2022. Examen bac permanent est fait sorti 21 arrivé 24 février 2022. Un chapitre environnement, plateforme organisation haïtienne qui a défendu à Mounio, lever la voix sous Jean environnement a fin de pas fini dans le pays d'Haïti et spécialement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince cap baigné en Bafatra depuis plusieurs mois. D'après plateforme non situation ça qui c'est une violation grave droit monde gagné pour vivre dans un environnement sain, c'est une conséquence insécurité généralisée qui établit dans le pays depuis quelque temps. Détan yo dénoncé bras croisés autorité yo face à problème grave ça, met Alermi Pierre Villus, secrétaire exécutif PEHDH la pote plus détail pour nous écouter. Note ça que nous titré Port-au-Prince qui en transformé en dépôt quoi. C'est non notre côté PEHDH a exprimé préoccupation sur dégradation environnement, sur question insalubrité à travers la capable région métropolitaine divers côté de Port-au-Prince. Qui constitue une atteinte à la vie et dignité monde. Un peu partout, c'est des fatras, pile sur pile. Donc, nous venons en situation de salubrité qui représentait un problème de santé publique. Et nous dénoncer et condamner et insouciance, indifférence autorité par rapport à question ça. Donc, autorité qui pas fait question de l'environnement en priorité, alors que nous croyons que l'environnement est un jeu
fondamentale dans la question de la monde. Donc ça m'a assisté là comme insalubrité, comme dégradation question environnement, de représenter une véritable menace et pour la vie des citoyens et citoyennes, pour santé citoyens et citoyennes. Donc nous exprimer préoccupation sur question ça et en même temps nous croyons tout et situation environnementale là, aggravation situation environnementale là est quand même résulté tout des crises et politiques et sociales et problèmes de gouvernance tout pays a vivre depuis 10 dernières années. Donc il fait autorité yo pas jamais prendre des dispositions pour agir par rapport à la question environnement qui a dégradé chaque jour plus, plus et qui représentait un gros menace pour la vie monde en d'un pays. Donc, c'est fondamentalement ça que dans notre ça et son note qui inscrit dans le cadre plaidoyer et PHDH a mené pour droit dans le cadre des droits environnement fin. C'était secrétaire exécutif plateforme organisation haïtienne Cap Défendre Mounio. Alermi Pierre Vilus. Dans le chapitre insécurité mardi 15 mars 2022 à gang examen la gué docteur Pierre Bonsi y a été kidnappé dans clinique li mercredi 2 mars 2022 dans Ruben Port-au-Prince mais yo toujours gen nan yo docteur Michel Dalexi y a été kidnappé dans clinique li même mercredi 2 mars 2022. Association qui nan coopérative yo Caisse Populaire yo ak l'autre association k ap ede jwenn bourad l'ajan pou ti biznis yo leve la voix kont za kidnapping gang aksam yo k'ap lage fami ayisyen yo sou la graba san aucun ressource pou viv kom sa dwa. Association nationale Caisse Populaire Haïti yo ANACAP, Conseil national financement populaire KNFP ak Association nationale institution microfinance Haïti ANIM décide sorti dans silence pour rejoindre l'autre association de société civile là pour condamner zak banditisme particulièrement zak kidnapping qui fait sous plusieurs familles pendant y a décapitalisé famille sa yo. Association sa yo dit constater détérioration climat social là ak absence action pour corriger sa bon côté autorité qui établit yo. Parallèlement, société noire a plongé dans yon climat latéral sans autorité ou pas fait rien pour couper ça. Lundi 14 mars 2022, a gang examen d'appuyer pour encore plus passer 7 machines en transport public dans Matissan. Plusieurs associations chauffeurs annoncent une grève en transport public à partir jeudi 17 mars 2022, jour privé dimanche 20 mars 2022 pour forcer autorité de facto yo garantir sécurité passagers sur route yo. Mardi 15 mars 2022, un mouvement de protestation contre le kidnapping aura poursuivre dans plusieurs quartiers zone métropolitaine Port-au-Prince. Il y a plusieurs rues dans la capitale là qui ont barricade à caoutchouc qui ont boulé tant qu'on dans zone avenue John Brown, rue Chavanne, rue Marcelin, rue Vague à Capois, toutes zones ça a été bloquées à cause de la barricade. Association pharmacien pays d'Haïti yo encourager tout groupe organisé dans société a tant kou ba ou avocat yo syndicat association professionnelle ni association étudiant yo pote koler dans 3 journées suspend by service l'hôpital clinique privé yo entre lundi 14 mars pour arriver mercredi 16 mars 2022 a. C'est une façon pour lever campé contre climat latéral et spécialement za kidnapping gang exam yo a peuplé des simayé sous territoire national là. Association médicale haïtienne yo continue avec mouvement grève ça pour une deuxième journée yon après l'autre pendant n'a rappelé dans une note li publié dans finissement semaine passée a li té annoncé li a pris décision ça dans l'idée pour forcer autorité yo mettre un bout nan fléau insécurité ça qui la gagne gros la troublaille dans pays an. Dans chapitre la justice magistrat Merlin Bilab doyen tribunal civil Port-au-Prince té choisi ça gagne une semaine pour continuer instruction sous cas assassinat 7 juillet 2021 sous ancien président de facto Jovenel Moïse là déclaré li gagne caisse sauté pour sécurité ak sécurité famille. Dans une note magistrat metté d'ailleurs dimanche 13 mars 2022 li dit li constater exécutif la conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ livré li ak famille li bay assassin yo a kidnappé yo. Plus passé 10 jours après yo te confié li dossier, yo pa pren aucune disposition pour remettre li physiquement ni pour assurer sécurité li ak sécurité famille li. Li fait connait li même ak famille pa courir quitter pays a. Li fait connait tout n'importe ça qui rive li, l'état a responsable d'après ça nou ka li nan yon note. Toujours dans le même chapitre, la justice Jean Saté annoncé avocat ba ou Port-au-Prince décidé pa mettre pied yo
nan pale justice ki soubi sotnen nan Port-au-Prince jiska skye otorite yo bayo yon lot espas ki pa bi sotnen kote gang aksam mette la vi yo an danje debi plize mwa. Maître Robinson Pierre, lui, ki se sekretè genyal Fédération Barreau d'Haïti, fè konnen sa fè lontan yap mande otorite yo mette sekurite nan zon nan e poutan pa gen oken disposisyon ki pran magre sityasyon vin pi grav. Nan san sa li fè konnen avoka yo pap kontinue al riske la vi yo nan zon bi sotnen an. An koute Maître Robinson son Pierre lui pour plus de détails. On nous dit on tire monde sur la cour etc. Donc puisque ça ça va faire là nous nous seul ça va faire c'est décider de prendre parlant en nettoyer avec le comité gouvernement et sous compte la justice pour l'état. Donc nous même dit moi quoi je rencontre le premier ministre et le ministre de la justice tout qui même menace qui peut dire en bas aux affaires. Nous sommes sur le terrain constant monsieur petit bon, il y a autorité pour gagner des localisations. Mais en réalité, c'est ton parole en l'air, par exemple, dans une démarche réelle qui est faite auprès de d'autres espèces qui t'ont permis que mon espace ou t'as quoi construire un espace ou bien louer un espace ou bien par contre créer un espace, même pas de gain. Deuxièmement, suite à dernier événement après les coupures, mon pays là, et on va pouvoir tout aussi sauter en bas. Nous avons dit, nous étions quoi, nous-mêmes. Était une bague mais pour moi c'était un point parfait tribunal la fonctionner et malgré toute réclamation de nous rien ne va se faire donc j'en ai passé et assemblée des avocats réunis me dit bon on ne va pas continuer à prêter on a victime il y a plus d'avocats il y a absolument plus d'avocats à prêter dans le tribunal de l'Ouvral rentrer dans le tribunal ce qui va faire sens donc l'État qui a une responsabilité envers les citoyens donc nous nous dit seulement un peu de sécurité peut-être puisque c'est au kidnappé avocat qui négocie, l'obligé de négocier avec le kidnappé, qui va faire sorte. Donc, on l'état au courant, et de ce que j'ai au courant, au lieu que nous supportions, bon, et là, il y a eu la guerre, nous comprenons. Nous disons, dans le cas, ça, faut que nous jouions le pan de citoyens, et meilleure façon, et précaution, pas qu'à bon, ça vous dit dans le proverbe blanc. Nous, pour précaution, nous disons, on va parler en bas encore, mais nous prêts pour nous travail, et nous m'en dédouanons, pour nous, en façon, je n'ai un espace quelconque pour recevoir nous. Avocat mais nous-mêmes ne va pas être bien par rapport. Si autorité ou pas porté réponse conséquent, avocat yo a passé dans une autre étape dans mobilisation yo a, c'est avertissement Fédération Barreau Avocat ak Avocat Pays d'Haïti yo. Secrétaire général FBH là, M. Robinson Pierre lui fait qu'on est si revendication yo pas satisfait en 20 longtemps, yo a gain pour organiser un mouvement plante piquette devant résidence Premier ministre là pour forcer le temps des raisons. En écouter secrétaire général Barreau Port-au-Prince, M. Robinson Pierre lui pour plus de détails. D'abord, tu veux encourager ou mais lui nous-mêmes n'avons agi que si c'est pour ça, c'est thème forcé à pour le faire, mais utiliser, nous-mêmes nous disons, mais notre cas de ce panneau, nous disons que nous parlons des lèvres qui ont délocalisé. Ou bien mettre le tribunal de l'autre côté parce que ça fonctionne et nous disons, c'est pas un parti qui nous va aller à la guerre, nous-mêmes, nous avons un moyen pour être. Nous avons force, mais nous sommes en train de manifester, volontairement manifester, déclarer, dénoncer tout ça qui est anormal jusqu'à ce que nous ayons un résultat. Nous sommes en Haïti, quand les dirigeants, même sous parler, ça va garder parce que nous connaissons, et puis deux, on va prendre une conséquence. Mais nous promets en tant que pays pour nous donner un état de droit réel et l'état, la justice abonnée au-dessus de tout. Et tout qu'on a prôné, quelle que soit personnalité, ou il a, ou à prôné, à priver, la justice a tourmenté, ou elle est en route. C'est ma réponse. D'après nous dit, je tiens à encourager, le ministre de la justice là, à encourager toute équipe là, pour chercher un espace, mais le tribunal là, faciliter que nous, le justice, nous avons parce que bien de tout, c'est pendant, et que bon, qui a empêché de fonctionner la caillou. Il va pas rentrer la caillou, il va pas rentrer une occupe de propriété, donc, et la justice là, et des autorités pour permettre d'arriver. Et nous avons encouragé le gouvernement ministre pour nous faire suivre, faire des promesses là. Et puis pour nous avoir un espace, pour nous avoir normalement, pour nous avoir une lutte, il faut confiance encore pour nous avoir fini. Donc seulement nous avons besoin de manifestations bonne foi. Nous avons demandé de faire ça parce que pour le faire, c'est le conscient et il y a une responsabilité envers nous. Et ça fait nous dire, non seulement nous avons demandé de continuer à continuer parler, mais si. En passé, nous allons commencer à mettre des bagages là. Et selon l'Assemblée avocat, décision que nous avons, pour nous citer le fait qu'il y a une résidence nationale même, qui a attiré l'attention, et nous allons porter l'État vers l'international, et l'État n'a pas obligé de porter des déclarations, aller plus loin. C'était le secrétaire général Barreau Port-au-Prince, M. Robinson Pierre, lui.
Gouvernement de facto Ariel Henry a gen mauvais comportement, li montre, li méprise population, lè li persiste pou al monte conseil électoral provisoire pou al organise élection nan yon contexte kote gang aksam yo ap si maye la terre san gade DS ou territoire national la. Se dizon plateforme organisation haïtien kap defan do amoun yo. Met Ariel Pierre Vilus, ki se secrétaire exécutif plateforme organisation haïtien kap defan do amoun yo, PYDH fè konè sa se yon komportman irresponsab. Dabre defanse do amoun nan se vre li important pou élection fèt. Pou pèmèt gen dirijan lejitim ki pren tèt peyi a, men oken kondisyon pa reyuni pou ta gen yon prosesus kon sa nan peyi a nan konteks aktuel la. An koute Alermi Pierre-Vilus, yon not fò ankon pou plis detay. Mwen kwen se yon komportèman tre irresponsab. Son komportèman tre irresponsab. Le kondisyon sekuriter yon pa reyuni jodi a pou nou pale de kesyon eleksyon. Fòk yon trete d'abord kesyon ensekurite ki a taye bandan un peu patou nan peyi ya, ki empèche moun sirkule, e ki da kapab di redwi konsiderableman liberté do a moun genyen pou sirkule. Sete sekretè exekutif plateforme organizasyon haïtien kap defan do a moun yo, Alermi Pierre Vilus. Aktualite internasyonal lan a kolaboratris nou Marie Farah Fortuné. Meri Kiev lan impose yon kouvrefe 35 etan a pati madi 15 mas nan aswe nan kapital ikrinyen nan kap viv yon mouman dangere men tou difisil. Dapri sa, magistra Vitali Klitschko fe konen. Yon ente di sikilasyon nan vil nan a pati jodi an. Jiska jedi se sa ansyen champion di mond box nan anonsi sou Instagram. Apre Kiev te finwe li bombade plizye fwa madi maten. An tou 97 timoun joun nan mouro depi komansman gen, se sa, prezident Ukrenyen Volodymyr Zelensky deklare madi 15 mas lan devan palman Kanadyen, li menm ki mande alye Kiev yo pou aksantye ed lan. Peyi Rusi a anonsè madi sanksyon kont Joe Biden ap plizye ou responsab Ameriken, pami yo sekretè l'Etat Anthony Blinken, an repons a mezi punitiv Washington kont Moscou an liye a Ukren. Mezi sa, se konsekans inevitab kap ekstremman risofob administrasyon Ameriken la poussiv Kounia, se sa Ministère Ris Affaires Étrangères, fè konen nan yon komunike. An tou, 13 personalite Ameriken vize nan sanksyon sa yo, kote yo ba prezize ki sanksyon ekzakteman. Kantite moun ki kouri kite peyi Ukren depi le lami risan envayi peyi an aten 3 milyon sa apre sa yon pot parol Organizasyon Internasyonal pou Migrasyon an OIM fe konen madi 15 mas nan Genève. Pou l'OIC peyi ki akeyi plis moun plis pasi mwati an kap kouri kite gen prezident ris Vladimir Poutine deklenche. Environ 1,79 milyon moun jwen refij pou l'OI depi 24 fevriye dapre tablo ou komisorya pou refijye yo madi. A chif otorite yo bay. Roumani, Hongri, Moldavi, yo menm tout se kote refijye yo ale, kote yon gro kantite kontinye perip yo, lot kote an Europe pou jwen fami yo ou bien zami. Epi, apèpre 1414 ekzekisyon ekstrajidisyè fèt nan l'anè 2021 peyi Venezuela, peyi ki pa mi pi violan ou nan mond lan, dapre ONG Défense Droits Moun ki souninye yon rediksyon 50% sou yon l'anè.